Tu te masturbes ? Je masturbe, ouais. Combien de fois par semaine ? Peut-être trois ou quatre fois par semaine. On n'est pas bien là, décontracté sur la chaîne Asley Guy. Je me frotte le manche au moins deux fois par jour. Pour être bon en bourse, purge-toi les bourses. Pigé. Cédric, c'est le vent. Où est passé Cédric? Mais si Cédric, faut venir. En plus, c'est le gagnant du clash de lundi. Et ouais, c'est ça. Il remet son titre en jeu. Romano, tu le veux le titre? Et ouais. J'aimerais bien récupérer, ouais. Et tu voudrais donc faire une déclaration dès ce début d'émission? Bah, une fois de plus, vous pouvez noter que Cédric est en retard. Donc je note. Il faut noter. Alors faut noter, notez bien chez vous. Romano veut faire une déclaration. Notez que Cédric est en retard. Pourquoi? Cédric, c'est encore, pourquoi, il est encore en train de traîner son cul. Non, mais pourquoi il fait pas ça? Pourquoi il faut noter Cédric est en retard? Bah, parce qu'il va falloir voter Romano pour le punir. Ah, à cause du clash. Eh ouais, parce que ce soir, la team Romano va être déchaînée et on va reprendre le titre tous ensemble. Ouais, c'était serré lundi, mais Cédric a gagné. Qui va gagner aujourd'hui? Le clash de la drague arrive. Si vous avez des nouvelles de Cédric, vous nous faites signe. Hein. 41-59. Ah, mais je crois qu'il est pas loin. Skyrock.fm, tu l'as croisé dans une année? Il est, je l'ai vu rentrer au sex shop, donc j'imagine qu'il n'en a pas pour long. Ah ouais, d'accord. Il va s'acheter un god? Peut-être. Le lac d'Annecy me dit il est passé dans ma cave. Il risque de ne pas venir, les gars. Ah, mal au cul. D'accord, c'est bien noté. Merci. Le lac d'Annecy pour ton message. Ah, et puis allez mollo quand même. Ouais, allez-y mollo avec les membres de l'équipe quand même, fin de saison, tout ça. Dans un instant pour le clash de la drague, car ma surprise, maintenant, tout de suite, pour Romano et Cédric, c'est clash surprise, il est 21h26. Oh et ah ouais, comme ça. Oui, ah s'attend... putain, moi j'ai envie de chier. Hein. Et ça y est, j'étais sûr que j'allais les déstabiliser. Hein. Et ils se disent, ouais, bon, on va. Non, mais j'ai hésité à y aller pendant le chocolat, tu vois. Ouais, parce que ça t'a donné. Ça m'inspirait. Oui, chaud chocolat. T'avais envie de poser un petit chaud chocolat. Mais là, je crois qu'il va falloir que j'aille poser un braison. Et ouais, clash surprise tout de suite sur Skyrock, qui sera le meilleur? Ah ouais, t'es comme ça. Ah, je suis comme ça. Cédric, t'as gagné lundi, 53-47. C'est vrai. Romano avait 26 clashs à la suite à son actif avant ta victoire de lundi. Est-ce que tu vas garder ton titre et est-ce que, comme tu nous l'as dit lundi, tu allais garder aussi le titre pendant 27 victoires? J'espère. Ah non, non. C'est pas prévu ça. C'est pas prévu. Tu veux pas lui bah, la vie est faite d'imprévu, mon ami. Tu l'as eu 26 fois, c'est son tour maintenant. Bah ouais. Non, bah c'est bon, ça va. Bon, et ben c'est parti pour le clash. Il en gagne un par mois, ça suffit bien. Clash en direct sur Skyrock, on y va. Allez, go. Attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Et oui, ils sont là. Et on reviendra au maman folle parce qu'il y a des témoignages que vous nous avez laissés. Ophélie qui nous a laissé un message et qui nous dit que la mère du mec avec lequel elle sort, puisque c'est son ex, eh bien elle était comme Neige qu'on a écouté il y a un instant, c'est-à-dire super possessive. Vous connaissez les mamans super possessives que... Eh bien vous nous faites signe, on en reparle tout de suite. Mais comme je vous l'ai dit, voici le clash. Le clash surprise de ce soir, 21h28. Ça va clasher tôt. Cédric, une méthode. Ouais, c'est la méthode des soldes. T'en as une? Ah ouais, d'accord. Bah oui. La méthode des soldes. Aujourd'hui, premier jour des soldes, tout le monde s'est rué sur... Enfin, tout le monde. Ouais. Enfin, celles ou ceux qui ont eu le temps étaient faire les soldes. Ouais, t'es à faire les soldes. Et moi, est-ce que soir, tu as été à faire les soldes toi, aujourd'hui? Ouais, c'est ça, dit foule. Tu as été? Non, j'ai pas été. Tu peux pas parler français, toi, Romano? J'ai pas eu le temps. Est-ce que tu as été à faire les soldes? Ah, j'ai pas été. Ah, et Marie, t'as été ou toi? Non, j'ai pas été. Pas été. T'as aimé les soldes? Ah, toujours pas été. Pas été. Donc, pour ceux qui ont été à faire les soldes aujourd'hui. Donc voilà, j'ai fait mes petits achats et j'aimerais faire montrer aux familles les achats que j'ai fait, essayer un petit peu. Ah, donc en gros, c'est le retour du défilé sexy. Ah non, c'est pas un défilé. Ah, donc c'est un défilé. Il est pas sexy, oui, en même temps c'est toi qui défile, c'est vrai. C'est pas un défilé, c'est je vais essayer mes vêtements, tac, hop là. Ouais, donc c'est un défilé pas sexy quoi. Et le dernier truc que j'ai acheté, c'est un caleçon, tu vois, un slip, et je vais montrer ça à la femme. Il y a Rio qui nous laisse un message et qui nous dit j'ai été, fin les soldes. Ah bah c'est bien d'avoir été. Il a mis 4 A et 5 I pour faire été. Bah c'est ça, c'est comme ça que ça s'écrit. D'ailleurs, si vous avez été à faire les soldes, dites-nous ce que vous avez acheté. 41-759, skyrock.fm. Romano, est-ce que tu as une méthode? Est-ce que tu as été faire les soldes, toi? J'ai déjà dit, j'ai pas été. Du coup, il est pas lourd là. Non, mais dans ta méthode. Ah non, mais y a pas de solde. Pas de solde dans la méthode. Bah, ça y est, là, je me barre en vacances. Ouais. Ah, t'as été en vacances? Non, mais c'est là, pas tout de suite les vacances. Bah, si, vendredi, samedi, ça va être les premiers départs. Bah, nous, on est encore là, nous. Bah, ouais, mais bon, moi, je pars en vacances. Bah, tu vas rester avec nous, t'es un fou. Je pars plus tôt que prévu. Donc, c'est sans doute la dernière fois que je vais voir la femme avant septembre, parce que je ne reviendrai qu'en septembre. Ouais. Donc j'aimerais un peu lui faire mes adieux sexuellement parlant quoi. Tu veux qu'elle profite de toi? Qu'elle profite d'une dernière fois de mon chibre. Je vois que vous êtes filmé sur les réseaux. Tu es sur Facebook Live. Eh bien bonsoir Facebook Live. Et sur Instagram Live. Et sur Snapchat. Eh bien tout ça, top tout ça. Clash de la drague. Allez, vas-y, on va chier qui? Essaye de faire un peu long, Cédric, j'ai envie de chier. Tu vas pas chier pendant le clash de la drague. Moi, je suis Fabrice. Peut-être chier dans la poubelle. Oh non. Ah, super, merci. Pour rester avec vous. Merci. Il a trop de pression en fait. Merci Romano.
T'essaies de copier Cédric lundi, tu perds, aujourd'hui t'as la chiasse. Non, ça va en ce moment. Cédric, j'ai pas la chiasse, j'ai juste envie de chier. En ce moment, je suis constipé là un peu. Oh le pauvre. Ah, je suis obligé. Allô Fabrice. Poussé comme un. Fabrice. Oui. Ouais, bonsoir, comment ça va? Ça va? Bah nickel, dis-moi, je t'appelais là parce que j'ai fait 2-3 achats là pour les soldes et j'aimerais bien montrer ça à ta femme pour qu'elle me dise un petit peu ce qu'elle en pense. Fabrice? Ouais. Ouais, donc je voulais venir à la maison là tout de suite. Mais non, pas. Bah si, attends. Là je suis là dans 5 minutes, je suis juste à côté. J'ai pris la route là, je suis là dans 5 minutes, je viens, je fais des essais devant ta femme et puis après, bah si ça lui plaît vraiment et que ça l'excite, je lui fais l'amour. Bah, maman, c'est sa gueule, ouais, je vais refaire. Ouais. Bah, t'es jaloux? Tu veux que je te fasse un petit défilé à toi aussi? Voilà. Ah, le défilé, donc on est bien dans le défilé sexy, je suis content. Moi, parce que pas j'aime sexy, bien. Défilé tout court. J'aime mais bien pas sexy, il n'est pas sexy. Alors, ça, je comprends pas le type, il a même pas été sensible au charme du défilé sexy. Voilà. Moi, j'avais préparé la musique, tap, 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 tout ça. Enfin, ah, il était pas chouette. T'as même pas eu le temps de défiler. Bon, Romano, à toi. Putain, les soldes, Leitmotiv 02, il était faire les soldes. Ouais. J'ai acheté 12 t-shirts polo, une chemise, une tondeuse à cheveux, des écouteurs, une powerbank solaire. Hey, tu t'es lâché, mon des enceintes de PC. T'as ouf. T'as gagné les 1 500 € ce matin, c'est pas possible. Non, mais ouais. Ce qui est hallucinant, c'est qu'il a eu pour 180 balles. Alors. Hein? C'est pas cher, ouais. Non, mais t'en as fauché la moitié, Leitmotiv. Ouais, ou t'as tout acheté. Des bonnes promos. T'as tout acheté en falche, je sais pas. Non, ils tombent sur des bonnes promos. Ou alors t'as échangé les étiquettes. Allô. Votre correspondant n'est pas joignable. Donc, coup de fil pour Romano maintenant. Allez, c'est parti. Chez Thierry. Putain, je suis pas en condition optimale. C'est pour ça que j'ai fait les clashs un peu plus tôt ce soir. Je me suis dit, je vais les déstabiliser. Pas manquer, regardez Romano, envie de chier. Mais c'est pas possible. J'ai la crotte au cul. Il était pas prêt là. Crotte au cul. Le caca c'est bon. Oui je sais Cédric, mais tu vas pas bouffer. Non. Viens me laisser la crotte horrible. Qui dépasse. Bonjour. Horrible. Voilà. Bon alors qu'est-ce qui se passe là? Bah on appelle des gens pour toi Romano. Cette personne ne répond. Bah, allez, bien, je vais répondre. Regarde, en plus, j'espère. En plus il est pas tard. 9h30. Et on garde les numéros qui ont pas répondu pour le double appel tout à l'heure. On a. Oh chier. Oh non mais. Bonjour. Oh, vous putain. Êtes en relation avec un répondeur exprès, téléphonique. Plus, Merci de bien vouloir laisser. Allô? Non. Allô? Oui, bonjour. Patrick. C'est la femme de Patrick? Oui. Oui, est-ce que Patrick est dans le coin? Non, il n'est pas encore rentré. Ah, il n'est pas rentré du boulot? Non. Ah bah ça tombe bien, je vais passer te voir parce que ça y est, je pars en vacances là. D'accord. Donc je vais passer vous voir là pour vous dire au revoir. D'accord. Et puis avant que Patrick arrive, on pourra faire l'amour, on sera tranquille au moins. D'accord. Bon, bah écoute, je suis là dans 5 minutes ma chérie. Au revoir. À tout de suite, ma poule. T'es pas farouche, la dame. Bisous. Hein ah ouais, d'accord, farouche, à putain. Tout. D'accord. Oh, ça, 30 d'accord. secondes pour draguer. 30 secondes, je crois que c'est un des serrages les plus rapides de l'histoire du clash de la drague. Bon, écoute, loin, elle est pas chiante. Je vais te faire l'amour. D'accord. Non, mais puis... Ouais. Pas second degré du tout. D'accord. Tu me laisses le temps de faire l'amour, tout va bien. Oh, nickel. Un serrage à zéro pour l'instant. Allez, vas-y, deuxième tour. Enfin, deuxième tour et c'est parti pour toi, Cédric. Pascal. On va chez qui, Pascal. Encouragez vos clashers préférés si vous venez d'arriver sur Skyrock. Clash de la drague surprise ce soir. Je les ai déstabilisés, mais c'est bien, vous aviez une méthode tous les deux, ce qui est déjà pas mal. Bon, Cédric, tu nous as fait la méthode des soldes parce que t'as été au sol, tu nous as dit tout à l'heure. C'est ça, dit full. Ouais, t'étais au sol. Allô? Oui, allô? Ouais, bonsoir, comment ça va, ma poule? Bien sûr, je suis allô? Oui, allô? Ouais, Lionel, ça va? Ouais, c'est qui? Ben, je me présente, je suis un de tes voisins, là. Je t'appelle parce que j'ai fait des courses, là, aujourd'hui, là. J'ai été faire les soldes. Et j'aimerais bien montrer ça à ta femme pour qu'elle me donne son avis. Genre, je viens dans 5 minutes, je lui montre un petit peu ce que j'ai acheté. Et si ça lui plaît, à la limite, je lui ferai un petit câlin pour la remercier. Arrête un peu tes conneries, garçon, hein. Parce que si tu viens, tu vas voir à qui tu vas avoir affaire. Ben, écoute, je vais avoir affaire à toi, j'espère. Ouais, bah viens. Bah nickel, j'arrive dans 5 minutes. Et puis je te ferai un gros câlin, je te ferai l'amour. Ouais, c'est ça, ouais. Viens, tu vas voir par qui tu vas te faire accueillir. Bah par toi, j'espère. Ouais, bah y a pas que moi, tu vas voir un petit peu le garçon. J'espère qu'il y aura ta femme aussi, qui aura les bras grands ouverts. T'as intérêt à faire gaffe à tes specs. À mes fesses, ouais, pas de soucis. Tu vas voir, viens. Ah, je te sens t'es chaud, toi, je sens que tu as envie de faire l'amour. Allez, va te faire enculer. Ah, tu vas m'enculer, oui. T'as envie de m'enculer? Non, Cédric. T'es dans la mythomanie la plus complète. Allez, rappel pour toi. C'est parti. Allez, vas-y. C'est reparti. Il était bien, lui. Il était bien. Tu l'as pas trouvé super, toi. J'ai un bateau, forcément. Toi, t'es sérieux, toi, ou quoi? Tu l'as pas trouvé. Tu l'as sauvé, quand même. Ah, ouais, d'accord, ok. Mais t'écoutais, dit Foul. Allô? Ouais, c'est la femme de Lionel? Oui, je suis la femme de Lionel. Ah. Les flics sont de la partie. Alors, si vous continuez à nous emmerder comme ça.
Oui. Ça va pas aller loin. Hein. Non, mais ce qu'on va faire, c'est que je vais venir là. On va attendre que la police arrive. Comme ça, ils donneront leur avis aussi sur le défilé que je vais te faire. Et oui, puis après, ben, c'est ça. Après, de toute façon, je vous permets pas de me tutoyer. Je suis mon cœur. Et ce qu'on fait, c'est qu'après, ils partiront et je te ferai l'amour. Ben, c'est ça. Ta gueule. On ira dans la chambre tous les deux. On fera l'amour. C'est on fera un gros câlin. Oui. Ok. Bisous, ma chérie. Bon, eh ben écoute. Super, et si tu l'as emballé, tu crois ? Au moins, pas de regret, t'as eu l'homme et la femme. Ah, j'ai eu les deux là. Qui ont eu à peu près la même réaction. Et la police. Et la police qui arrive après. Invitation quand même. C'est dommage que ce soit pas le clash de la police. C'est vrai, hein. Mais qu'est-ce que tu racontes ? On devrait lancer le clash de la police. Bah, si, c'est la police qui arrive, Romano, derrière. Invitation et je vais t'accueillir par la police. Ouais, mais ouais, grave. Mais t'écoutes un peu ça le clash. Et ça aurait été le clash de la police, t'aurais fait 90%. Ouais, non, mais ça n'a rien à voir là. Ouais, là, concrètement, là, t'as rien fait quoi. C'est le clash de la drague. Romano, à toi. Bon, allez. Jean-Seb. C'est parti, on file chez Jean-Seb. Cédric, tu peux me mettre ta doigt dans le cul pour remonter la crotte. Non. Mais par non. contre, avec la langue, si tu veux. Manda Karim, il est à côté de toi. Allô. Allô. Voilà. Hein? Mais non, c'est le répondeur. Ah, c'est voilà. Allô. Ah non, c'est pas le répondeur. Allô. Allô. Ah, oui. Ah, excusez-moi, je croyais que j'étais tombé sur le répondeur. C'est Jean-Seb. C'est Jean-Seb. Non, mais c'est qui? Ah, moi c'est Jean-Louis. Est-ce que Jean-Seb est dans le coin? Jean-Louis de qui? Jean-Louis, un voisin là. Un voisin? Ouais, parce qu'en fait, je vais partir en vacances. J'avais un petit service à demander à Jean-Seb. Partir en vacances? Non, je vais partir en vacances. Voilà. Tu peux me le passer? Mais il est pas là. Il est où? Mais il est pas là. Ah, bon, bah écoute, ça tombe bien qu'il soit pas là. Je vais passer te voir. Comme ça, je te ferai un petit câlin avant que je parte en vacances. Ah ouais, vous voulez passer me faire un petit câlin avant, ouais. Avant de partir en vacances? Ouais, que tu vois une dernière fois ma bite avant le mois de septembre. Oh, c'est magnifique. Bah, je peux arriver dans 5 minutes là. Magnifique. Oui, bien sûr. Bon, bah, je te dis à tout de suite, ma chérie. À tout de suite. Bisous, ma poule. Oui, c'est ça. Bisous, ouais. Mon amour. Putain, ouais. Ça t'a fait. Hey, ça t'a motivé de perdre lundi, Romano. Hein. Et ça m'a motivé d'avoir envie de chier. Et tu vois, tu es meilleur séducteur. Alors, on peut donner un conseil à tous ceux qui ont envie de serrer pendant les vacances, les gars. Allez-y, la crotte au cul. Oui, la crotte au cul. Je sais pas ce que ça, je sais pas pourquoi, mais ça donne. Ça motive. Non, mais en fait, tu sais, j'ai tellement envie de chier que les appels, je les ai rendus deux. Bon, ben, le clash, c'est géré. Qui a été le meilleur pour et vous? Et en plus, j'ai un rappel que j'ai pas utilisé parce que Cédric abuse des rappels. Un rappel. Des rappels. Là, tu parles comme voilà. Cédric là maintenant. Donc des rappels. Tu comprennes. Ah, d'accord, c'est sympa. Donc tu ne prends pas de rappel? Non, pas de rappel. Est-ce que t'as aidé au sol? Non, mais j'ai toujours pas aidé au sol. Moi, on me perturbe. Il y a des mecs qui s'amusent à filmer mes jambes. Je sais pas ce qu'il leur arrive. C'est moi. Je suis en plein pendant l'appel. Ils me filment. Mais c'est parce que t'es défilé sexy, mec. Bah oui, c'est pour montrer les jambes. Moi, ça me perturbe, moi. T'es sexy raffiné, mec. Je peux pas me concentrer sur le raffiné. T'es sexy des mollets, quoi. C'est raffiné, ouais, sexy t'inquiète. Démon, bon, alors, le clash. Clash surprise ce soir. Vous êtes bien débrouillés parce que vous n'étiez pas prévenu qu'on avait fait un petit clash plus tôt. Bravo, vous aviez une méthode. Vous avez Cédric. Toujours prêt. Tu as donné tout ce que tu pouvais. C'est de la meuf. Est-ce que tu penses que tu vas garder ton titre que tu as brillamment gagné lundi? Ah, j'aimerais bien, putain, ça ferait plaisir ça d'ailleurs. Est-ce que Cédric va regagner un deuxième clash? D'ailleurs, c'est la famille vote Cédric. Romano, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, ce soir, mes amours, c'est la remontada fantastique de la team. La remontada! Lundi, ensemble, nous avons perdu. Ce soir, ensemble, nous allons gagner, reprendre la coupe du clash de la drague. Deux appels, deux serrages. Ce soir, votez Romano! On s'en fout ton baratin. R-O-M-A-N-O. Il est là avec son baratin, il fait mal au crâne. Voilà, famille, moi, c'est tout simple. Ce soir, votez Cédric. CEDRIC, je compte sur vous tous et vous toutes. Je vous aime très très fort. Merci Cédric, merci Romano. Vous nous avez fait rêver ce soir. Mais c'est pas fini parce que j'ai d'autres surprises pour vous durant cette soirée. Tiens, appelle Big Flo Oli, Cédric. On va leur passer un petit coup de fil. Pendant ce temps, vous votez sur le 41-79, sur l'appli Skyrock, sur le skyrock.fm. Vous nous laissez vos messages très très vite. Vous avez vu, hein, tout peut arriver. Cédric a gagné lundi, Romano veut le titre. Qui sera le meilleur? Top vote. On vous laisse 5 minutes, 21h39. Allez, jusqu'à 21h, même 6 minutes parce qu'on est généreux. C'est ça, Skyrock. Ouais. 21h45, vous votez. Vous avez donc 6 minutes pour voter, pour faire la différence. Allez-y. Sly Guy. Bon, en attendant, résultat du clash qui vous a opposé tout à l'heure, tous les deux en direct sur Sky. Alors ? Voici les résultats. Cédric, tu as le titre. Ouais. Tu as gagné. C'est vrai. Eh oui, tu as gagné. Quand ? Ce soir encore ? Non, lundi. Ah oui. Eh oui, lundi. Ça, tu m'as fait plaisir. Oh, il a eu peur. J'étais content. J'ai peur, Romano. Ah, ça me ferait chier de perdre deux fois. Hein. Et oui, mais Cédric veut 27 victoires à la suite. Ah, moi, j'aimerais bien que tu perdes ce soir encore. Résultat du clash de la drague de ce soir. Alors, les voici, les voilà. Romano. Il faut voter Romano. Allez, c'est reparti. Alors, résultat du clash de ce soir. 28% pour Romano hein ou pour Cédric. Ah ouais, 72% pour l'autre. Voici les résultats.
72 pour Romano. Ouais. Et voilà, ça c'est une 28 pour Cédric. Ça c'est une putain, tu me dégoûtes, t'en as gagné un juste histoire de niquer mes statistiques. Et voilà, t'as plus de stats. C'est la remontada. Merci à toute la team Romano. 72. Ben, descend sur terre, hein, ça va. On l'a bien baisé. Mais t'as fait quoi? Tu t'es dopé depuis lundi parce que t'as serré deux fois à la suite ce soir. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, mais je t'ai dit, j'avais grave envie de faire caca, j'ai speedé les appels, je sais pas, ça a marché. Ah oui, c'est vrai, c'est une méthode pour draguer. J'avais le feeling. C'est vrai.